Salut à toutes et à tous, c'est Moindra. Alors aujourd'hui, hein, je vais parler du trailer de Bleach, celui qui a été diffusé entre le 2 et le 3 juillet. Donc là, on va regarder ensemble un peu et on va analyser. Alors là, si on regarde, là, il dit quoi? Il dit voilà le roi des Kingsui, des Quincy. Après 900 ans, il regagne la vie. 90 ans après, il regagnera son esprit, sa force après 9 ans et le monde en 9 jours. Voilà les 9 derniers jours du monde. Bon, Ichigo. Ah ouais, ils nous mettent un peu, tu vois, le trailer, hein, ils mettent chacun. Ils nous représentent les persos, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu de nouveau. Donc on peut les avoir oubliés si on s'arrêtait il y a plus de 10 ans. Hein. Donc Ichigo Kurosaki, hein, the main character, hein, le bâtard. Là, c'est vraiment le bâtard, dans tous les sens du terme. Parce que rappelez-vous qu'il est hein, humain, Shinigami, Fullbringer, et pourquoi pas autre chose, hein, tant qu'on y est. Là, on voit le. Ouais, le. Ah, bah là, ça va être bon. Ouais. Si vous connaissez, hein, voilà, d'ailleurs, vous voyez combat. Alors, d'ailleurs. Ça, cette scène, bon, c'est pas un spoil que je veux dire, mais en fait, cette scène-là, je sais jamais, parce que bon, là, pour les 10 prochaines secondes, si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas. Mais d'ailleurs, c'est une question que je vous pose en commentaire, c'est, elle affrontait qui à ce moment-là, Rukia? Parce que je j'ai jamais su, on ne sait pas qui c'est qu'elle affrontait. Donc, si vous avez la réponse, donnez-moi-la en commentaire. Ça m'intéresse. Je vais pas vous dire pourquoi écrit comme ça, mais voilà. Là, Renji, hein. Ah oui, il a la classe, le trailer. Ah, le capitaine commandant. Yamamoto Gen Lusai. Bon, ils ont pas mis. Ils auraient pu mettre un espace ou mettre en dessous, ça aurait été plus logique. Donc, Soifon. Ah, d'ailleurs, je sais pas si. Je sais plus si on voit cette scène. Mais comme ils ont dit qu'ils allaient rajouter des choses, ce serait intéressant. Donc, Shinji, hein. Toujours un hein. Bon Mayuri putain quand même des fois je trouve autant je trouve que des fois il y a des je vais dire son déguisement sa mise en scène autant des fois elle est je trouve que des fois elle est moche par exemple la première fois que j'ai vu je trouvais qu'elle était moche mais celle où il est dans le Weko Mondo et là il a la classe quand même là il a la classe Inohara. Bon, je pense que ouais, ben, on attend. Ceux qui connaissent comprendront ce que je veux dire. Voilà, Kensei, Rose, Busby, Busby, hein, on connaît, on ne connaît pas. Et là, bien sûr. Hein, ils ont vraiment. Ils l'ont mis vite. Tu vois, il est similaire à quelque chose ou à quelqu'un. Si vous connaissez pas, je vous attends en commentaire pour me dire à qui il vous fait penser. Voilà, Ewok.
Il y en a, il dit Yuhaba, non. Iwak. Pour moi, c'est la meilleure façon de le prononcer. Iwak. Donc là, voilà. Ah, mais il est bien le trailer, il est bien. On voit qu'ils ont fait. En plus, l'animé là, vraiment, les persos sont hyper bien animés là. J'espère que ce sera continu sur tous les épisodes. Ou est-ce que là, ils ont mis le. Ils ont sorti la. Comment on dit? Ils ont mis la. Les moyens là pour montrer avec le trailer. Hein. Ils ont mis la grande classe, ils ont mis les moyens. Et est-ce que ce sera. Après, le reste sera un peu moyen. J'espère pas, mais bon, voilà. En 10 ans, quand même, on est quand même en droit d'attendre de la qualité. Et là, ouais, alors là, ça va être le deuxième. Enfin, c'est pas vraiment un trailer qui est sorti là. Il était sorti il y a à peu près fin, je crois, fin décembre. Mais je l'avais pas vu, donc je vais le regarder pour analyser. Bon, la chanson, hein. Thème d'Ichigo. Le sourire, toujours. Le dernier arc. Bon, là. Hein. C'est vrai que, en fait, là, c'est pas même pas. Tu regardes, tu dis, ils ont la classe. Tu sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça va, mais tu dis, surtout là, Ohara, my guy, Ohara Kusuke, la puissance pour moi. T'es même issu. Ah putain, j'adore en plus. Ah, il y a tout. Et là, comme j'avais dit tout à l'heure, peut-être que vous la reconnaissez pas, mais la scène, la Bayori. Oh putain, ah là là. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, si tu connais, t'aimes bien, et si tu connais pas, t'es pas bon. T'es pas assez spoilé pour créer au scandale, j'estime, là, pour l'instant. Voilà, 2022. Voilà, Final Arc. Alors moi, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé, les deux sont, pour moi, ils sont excellents. Et ouais, moi, il y a surtout le truc avec Rukia, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a, bon, là, c'est plus, je vais m'adresser à ceux qui connaissent, qui ont déjà vu, qui connaissent la fin. Donc je pense qu'à ce moment-là, ceux qui n'ont pas vu, je leur conseille de plus regarder, de plus écouter ce que j'ai à dire. Sinon, ils vont se griller les oreilles. Donc voilà. Alors ouais, il y avait quelques. S'il y en a un commentaire qui peuvent me dire, hein, comme j'ai dit, Rukia, qui a l'affronté, ça je sais pas. Et qu'est-ce qui me vient aussi à l'esprit? Il y a aussi juste que je ferai peut-être une vidéo où j'essaierai de poser les questions que je sais pas. Et je compte sur vous en commentaire pour peut-être me répondre. Mais bon, là, je me dis juste,
Rukia qui l'affronte et là c'est la question qui me vient à l'esprit à ce moment-là. Mais en tout cas là le deuxième trailer de 1 minute 50, moi je trouvais qu'il était très bien, surtout bon voilà hein, quand tu vois moi j'ai là tu vois Urahara, moi je vois la scène, je me dis voilà ça j'attends quand même cette partie-là avec impatience, c'est sûr. Mais voilà, comme je dis, c'est vrai que ce qui est bien, comme j'ai dit, c'est que vraiment, à ce niveau-là, si tu connais pas, ben, tu vas vouloir regarder quand même. Et si tu connais, tu te dis, ah, quand même, des petites scènes, tu te dis, des petits moments, tu te dis, ah, putain, ça fait plaisir, quoi. Ils ont bien fait leur truc, je estime. Donc voilà, hein, fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, partagez-la, commentez, likez, abonnez-vous, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire aussi les interrogations que vous avez sur l'arc. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément finies, hein, ou des choses où on n'a pas de réponse à ce moment-là. Mais voilà, surtout partagez et commentez et abonnez-vous. Ça fait grandir la chaîne. Ça permet de propager l'amour de Bleach et tout ça. Il y a d'autres chaînes qui en parlent, hein, des combats, vous pouvez regarder. Mais là, moi, c'est vraiment pour parler du trailer, pour parler des trailers, pour. Voilà, ça nous enjaille et c'est quand même ça fait monter la mayonnaise, ça fait monter la sauce et on a envie d'attendre, on a envie que en octobre ça soit maintenant quoi, pour vraiment voir l'anime et surtout les parties qui ont été ajoutées par Tite Kubo parce qu'il avait dit, il a dit qu'il superviserait certaines parties qu'il n'a pas pu mettre parce qu'il a rushé quoi. Donc voilà, c'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode sur Bleach parce qu'en octobre je regarderai. Et j'essaierai à chaque fois de faire un récap de l'épisode.